Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs. Colonise pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?